Je suis Maxime Plister et je suis gérant propriétaire de la chocolaterie Concept Chocolate à Bruxelles. Ben nous, on estime donc, qu'elle n'est pas simplement en bout de chaîne avec la création des pralines, des chocolats. Elle doit aussi commencer en amont avec l'aide donc, de Belcolate, de pouvoir aller sourcer un meilleur cacao pour qu'on puisse directement commencer avec une bonne base, aussi bien qualité, durable, éco-responsable. Et donc, on voulait vraiment essayer d'apporter une transparence sur le trajet des pays producteurs, donc des pays d'origine, jusque chez nous, la tablette prête à consommer. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé l'aventure Cacao Trace. On a trouvé que c'était plus qu'un programme de durabilité, que c'était vraiment une communauté qui était forte à imprégner sur place en essayant d'avoir vraiment le plus de connexions possible aux producteurs locaux avec la création de centres de post-récolte pour améliorer surtout la qualité grâce à la fermentation, mais aussi les aider dans la diversification des revenus, dans la formation en agroforesterie. Et on a trouvé que c'était un label qui était assez large et donc qui nous apportait surtout un cacao qui avait la possibilité d'être bon, juste et responsable.